Les compatissants, ce mec. C'est un bon, un psychopathe. Tu pourrais ne pas en avoir pendant des heures. Touchant la musique, on a éplavé pour rien. Il t'aime. Je n'aurais vraiment pas dû faire ça. Le mec est bon. Ouais. Un psychopathe, mais c'est un humain. Je te recommande de préserver tes forces pour ce qui va suivre. Lorsque tu m'as fait le chantage pour coucher avec toi, tu savais déjà que cela allait arriver. Un psychopathe, non? Bon, voilà, c'est bien. D'abord, tu as profité de mon corps, et maintenant tu veux ôter la vie. C'est pas lui, ce daron. Tu sais, tu aurais pu refuser ma proposition. Tu n'avais qu'à dire non. Oh! De vrai? Si je voulais te tuer, je l'aurais fait depuis très longtemps. Compatissante ensemble aussi. Mais tu as quand même voulu le tuer. Chica, je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Je ne t'ai rien fait de mal. C'est toi qui m'as emmené. Rappelle-toi, je ne t'ai pas emmené ici pour me trahir. Wow, la vérité, je sais que... Alors tu avoues que tu as essayé de me tuer? N'a pas essayé, wesh. N'a pas voulu. Tu savais que ce mariage était sincère? Tu peux jurer que tu n'avais pas une idée derrière ma tête? Lui ne ment pas. Il est psychopathe. Il va me demander pourquoi, wesh. Tout ce que je voulais, c'était la paix. La paix pour mon peuple. Mais tu viens me prouver que tu n'es pas différent de nos ancêtres. C'est pas lui le problème, ce daron. Tout pour le pouvoir, même si cela demandait de verser le sang des pauvres innocents. Ce daron, non, wesh. Le daron, la daronne. Nous avons grandi ensemble. Je t'ai aimé, adopté comme une sœur. Mais tu as osé me trahir. Tu as trahi tout le peuple d'Azigo. C'était la meilleure des choses à faire pour sauver notre royaume. J'ai fait tout ce que je pouvais. Que deviendront tes enfants, nos enfants dans l'avenir? Mais... Allez-vous-en. Nous n'avons plus rien à nous dire. C'est touchant. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Avenir. Au moins, ce prince dit quelque chose. Non, il est parti. C'est foutu. Attends, quelque chose.